7h, 10h, Raju dans la fraîche matinale sur FM. I love you guys. I listen to you at home, on my way to work and at work. Et lui aussi, je lui fais des bisous. C'est Joke. Comment ça va, Joke? Ça va très bien. En pleine forme, là. Tu viens de loin, toi, Joke. Je viens de Montpellier. À Montpellierain. Ouais, je sais pas. Je sais pas si j'ai eu l'accent à Montpellierain. Non, c'est pas du tout. On a pas d'accent là-bas. C'est vrai que vous avez pas d'accent. Si, Loulou Nicolin, il a un accent. Ouais, mais c'est un vieux, c'est pour ça. C'est assez cliché, hein, tu sais. Quand on connaît pas Montpellier, on pense à Loulou Nicolin. J'allais dire, on pense. Tu suis un petit peu le football? Un peu, ouais. Et Youssef Belhanda également, ouais. De Montpellier. Olivier Giroud avec ce Montpellier. Enfin, on va pas parler de foot pendant. On remarque qu'on peut, hein. On peut en parler, on peut parler, mais bon, là on a chuté un peu, donc vaut mieux parler. C'est vrai que chose. Vous avez chuté, notamment ce week-end face à Rennes. Enfin bon, voilà, on va surtout parler de toi, hein. C'est tout ça qui est intéressant. Donc t'es un artiste de hip-hop, toi, hein. Tu fais du rap, voilà, ça fait longtemps que tu rappes d'ailleurs, ça fait depuis que t'as 10 ans. Ça fait depuis que j'ai 10 ans, ouais, je commençais très tôt. Ouais. Parce que t'as quel âge aujourd'hui là? Là, je vais avoir 23 ans samedi. Ouais, donc ça fait 13 ans. Ah, samedi? Samedi, là. Ah bah écoute, joyeux anniversaire. Alors, merci. Allez, on est entre nous, je te le souhaite, joyeux anniversaire. Merci. Hein, parce que je serai peut-être pas avec toi samedi. À moins que tu fasses une teuf et que tu m'invites. Et là, dans ce cas, je serai peut-être. Pourquoi pas, on verra. Donc, si ça se passe bien. Voilà, tout va dépendre. Là, en fait, c'est un test. Tout va dépendre de cette interview. Si t'as voilà. kiffé, j'ai une teuf de prévu samedi, à l'anniversaire de Joke. Donc, oui, donc ça fait 13 ans que tu rappes. T'en es venu comment dans le rap en fait? Ça a été tout seul en fait. C'est les grands frères, ils me faisaient écouter, ouais. Ils me faisaient écouter les sons et puis je suis rentré tout seul dedans. Je kiffais, donc moi aussi j'ai essayé de faire ça et voilà. Et donc tu as des goûts musicaux très éclectiques. Ouais, c'est j'écoute ça. De tout. J'écoute j'écoute du rock, j'écoute bien. J'aime bien Arctic Monkeys par exemple. D'accord. Dans le rock. Ouais. J'aime la soul. T'aimes bien Oasis, Franz Ferdinand, tout ça, hein? Ouais, j'aime bien, c'est cool. Tu sais que le mot éclectique, c'est le mot qui est le plus revenu dans cette émission. Tous les artistes me disent ce mot. Ah ouais? Ah ouais, parce qu'ils ont tous des. Bah, ils aiment tous un peu tous les goûts musicaux. Ils ont des bons artistes. Ah ouais, bah oui, évidemment. Bah, la preuve, on t'invite. Un peu de lèche ne fait jamais de mal. Donc, t'es assez éclectique. Et puis, moi, tu t'es surtout quand même inspiré du rap US. Ouais, ben, je trouve que c'est de ce côté-là de l'Atlantique que les meilleures choses se font. Donc. Ça m'inspire des meilleurs, quoi. Ça aussi, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est ce que les artistes de hip-hop qui viennent ici me disent souvent, que le rap US, beaucoup s'inspirent du rap US. Donc toi, tu pourrais plus rap US, mais le rap français, t'aimes bien quand même. J'aime bien le rap français. J'aime pas tout dans le rap français, ouais. Mais il y a beaucoup d'artistes que j'aime. Est-ce que t'as un artiste référence dans le rap français là? Ben, il y a le gros, il y a Booba, quoi. Ah ouais, d'accord. Après, j'ai eu un de ses potes la semaine dernière. Excuse-moi, je te coupe, cynique. Ok. Oui, donc Booba, ouais. Ouais. Booba, après il y a beaucoup de jeunes là de nouveau qui arrivent qui sont très bons. Je pense à Zeko et Ramos, yes. À Niro, il y a qui d'autre, il y a les mecs de l'entourage aussi qui sont pas mal. Bah, l'entourage, c'est un 995 aussi, non? Un 995, ouais, aussi qui est dedans. Ouais, il y en a qui font partie également d'un 995. Ouais, donc en fait, il y a quand même quelques gens de rap français que t'aimes bien. T'aimes bien le rap français à l'ancienne, genre Sector A, tout ça là? Je suis à fond dans Sector A. Voilà. Donc c'est avec ça que j'ai commencé. Donc, oui, bien sûr. Ouais. Tout ce qui est. Parce que justement, t'as commencé. Arsenic, voilà. T'as commencé il y a 13 ans et c'était leur époque, quoi. Et justement, t'as été repéré toi en 2009 par Tequila Tex. Voilà, de TTC. Sur MySpace. Sur MySpace, on a fait, on s'est rencontré dessus. Il a kiffé ce que je faisais, donc il m'a invité à bosser sur son label, quoi. Donc mon premier projet est sorti sur son label Stunt, en fait. Yes, et c'est intéressant, donc du coup, enfin, je veux dire, oui, c'est intéressant de bosser avec Tequila Tex, mais c'est un mec assez spécial, quoi. Donc, comment on bosse avec un gars comme ça, en fait? Bah, j'étais assez libre de faire ce que je voulais, donc ça se faisait au feeling, en fait. Yes. Lui aussi, c'est un gars au feeling, donc ça se faisait comme ça, quoi. Bah, de toute façon, je crois que le feeling, c'est ce qu'il faut, quoi, dans la musique, quoi. C'est ce qu'il faut. Quand il y a un bon feeling, on peut faire beaucoup de choses, voilà, avec plein d'artistes, même si des artistes qui n'ont pas forcément de rapport avec toi à la base. S'il y a un bon feeling, on peut tout avoir. Là, je pense justement en exemple, Cynic qui avait fait un duo avec James Blunt. Voilà, des artistes complètement exactement. Différents, ah, vrai, qui ont juste vrai. Rien à voir. Mais bon, il y a eu un bon feeling. Il n'y a pas donc, de ça, limite à la création. Donc, donc en 2011, il y a un EP qui est sorti pour toi, là. Enfin, c'était l'année dernière. Voilà, c'est prêt pour l'argent 1.5. Ouais. C'est un peu. C'était le EP qui, en attendant la suite, quoi, que j'ai fait tout seul. C'est assez spécial, c'est vraiment, il y a beaucoup de samples soul, il y a beaucoup de c'est vraiment spécial. Je conseille aux gens qui me découvrent maintenant d'aller écouter un peu. Donc c'est un EP, rappel, qu'on peut choper sur tous les sites de téléchargement légal. Voilà, c'est légal, je dis bien légal, hein. Celui-ci il est gratuit. Ouais, il est gratuit. Donc celui-ci on peut le choper facilement.
Voilà, vous avez retrouvé donc des titres de Joke. Et parle-moi un petit peu du projet 10 Frenchman ou 10 Freshman, je sais pas comment. 10 Freshman, on a fait ça en fait, c'est en référence au 10 Freshman de XXL de, ouais. des États-Unis. En fait, chaque D'accord. année, ils recrutent 10 nouveaux rappeurs qui pensent qu'ils vont faire le buzz dans l'année. Donc, ouais. ils ont rapporté ce concept-là des États-Unis et ils l'ont fait avec des rappeurs français. Donc, ils m'ont contacté pour faire ça, quoi, et j'étais chaud tout de suite. Donc, on a bossé un son. On devait bosser une mixtape, mais finalement, c'est pas fait parce que chacun avait des projets à gauche, à droite. Donc, ouais. voilà, mais ça a été c'était une bonne aventure, quoi. Voilà, un beau projet, hein, comme on dit. Il y a pas longtemps, on a pu te voir sur O5 TV. C'est ouais. une chaîne du câble, ça. Hein. Yep. Bon, une chaîne malheureusement que tout le monde n'a pas, mais ceux qui l'ont ont pu te voir, quoi. Yes, donc mais t'as fait le buzz avec ton titre MTP Anthem, c'est ouais, ça. Ouais, MTP Anthem, qui est issu de la compile We Made It de GoldenEye Music. Ouais. Qui est sorti sur O5, quoi. Ça tourne assez beaucoup sur le net aussi. Mm-hmm. Et voilà, je suis content des retours. Il y a la suite qui arrive, il y a Triomphe qui est sorti aussi la semaine dernière. Ah, la transition toute faite, justement. Voilà. On allait y venir là. Qui tourne aussi sur O5 et qui est là, extrait de mon EP qui va sortir le 26 novembre. Voilà, l'EP qui s'appelle Kyoto, qui sortira voilà. le 26 novembre. Pour l'instant, ça sortira sur les sites de téléchargement, c'est ça? Exactement. Tous les sites de téléchargement légal. Ouais. Et voilà, donc c'est là qu'on pourra t'en trouver, hein, sur tous voilà. les téléchargements. Donc bien sûr, quand c'est légal, il n'y a pas de souci. Allez-y, les amis, Kyoto, pourquoi Kyoto ça? Kyoto parce que je me dis que c'est ce EP là qui va me permettre d'aller jusqu'à là-bas. Donc ah ouais. j'ai envie de partir là-bas en fait. D'accord, ok, donc oui, bah oui, c'est peut-être ce qui va te rapporter un max. Et justement, dans un instant, il va y avoir un live de Joke, ça sera Triomphe, hein. Yep. T'es chaud, j'espère. J'espère que t'as bien chauffé ta voix. Tu bois de l'eau. Chaud, je te vois chaud. Depuis tout à l'heure boire de l'eau. Oui, chauffe ta voix. Joke, tout simplement, c'est mon invité ce matin dans la fraîche matinale. Ça va toujours, Mr. Joke. Ça va toujours. Et d'ailleurs, pourquoi Allez. Joke? Joke, ça veut dire blague. Tant que t'es une ouais, blague, ça veut dire ça non, en fait. Non, 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 rien à voir. Rien à voir. Non, non, j'ai pris ça quand j'étais petit. C'était plus en mode. Pas dans le sens blague. Être une blague, mais c'est plus en mode l'esprit des blagues, les jeux de mots, tout ça. D'accord. C'est plus par rapport à ça. D'accord, d'accord. Donc là, le titre qu'on vient de s'écouter, là, donc c'était Up Anthem. MTP Anthem. MTP Anthem, pardon. C'est en fait l'antenne de Montpellier, quoi. Voilà, c'est l'antenne de Montpellier. Ah, d'accord. Ah, oui, bien. Et c'est extrait donc du projet We Made It. Et on retrouve notamment Rimka, hein, Sadek, Lake, Mike Tire, encore Lino d'Arsenic. Justement, on en parlait tout à l'heure d'Arsenic. Yep. Mais ils ont participé à ce projet. Et puis toi, ton titre là a bien cartonné. Hein. Yes. Malgré des grands noms, t'as réussi à t'imposer. Donc c'est déjà pas mal. C'est bien, quoi. Le 26 novembre prochain, il y a un événement pour toi. C'est ton EP qui va sortir, qui s'appelle Kyoto. Yep. Et tu l'as appelé Kyoto parce que si vous n'étiez pas là avec nous, il nous a dit pourquoi. Parce qu'il a envie d'aller à Kyoto, justement. Voilà, et Joke espère que c'est cet album-là qui va l'amener du côté de Kyoto, quoi. Exactement. Bon, on te le souhaite, en tout cas. Hein. Et puis on te souhaite également de faire un bon live tout de suite parce que c'est maintenant en fait. T'es chaud ou pas là? Je suis chaud, très chaud. Donc il y a un titre, hein, qui va être sur cette OP de Kyoto, ça s'appelle Triomphe. Yep. Et bah c'est ce qu'on écoute maintenant justement. Allez, Joke en live dans la fraîche matinale, c'est maintenant. Montez le son, les amis. Cheer. I will start. Check. Yeah. I. Yo. Yo, pepepe, je suis irakien. Tac à la gorge avec la paire de patins qui va bien. Qui vivra verra chez moi, tu verras tout, tu diras rien. Certains veulent me voir de près parce qu'ils savent que je suis petit qui ira loin. L'âme gilette dans les chaussettes. Négro, si je te taille direct, t'as des fossettes. Mon son est calé, carré comme s'il avait des épaulettes. J'porque des whitey, j'm'en bats les couilles d'aller chez Colette. J'ai eu mon bac, est-ce à les gens, un battement de Silla. Les MC pètent, les plongeurs, il est pas bien celui-là. Magicien, hocus pocus, j'suis pas Vinci là. J'fais des rimes richissimes, des rimes à 4-5 syllabes. Miracle, j'sors mon Joker. J'sors mon Batman killer. J'suis trop chaud, négro, l'air n'est même pas respirable. Million dollars, baby, yo, j'suis même pas estimable. Gros, si j't'attaque, j'détruis ta carrière. J'ai pris ma part très tard chez ta tassière.
J'suis dans cette tasse comme ce qu'il y a dans les cafetières. J'les ai avertis, mais les négros ne veulent pas se taire. Ils veulent pas fermer leur bouche, donc on va fermer leur bouche. Rampampampampampam, ils veulent pas fermer leur bouche, donc on va fermer leur bouche. Un kilo de brown, genre Nino Brown, adios Bambino, primo bingon, rime en flingue, 6 grammes dans le chino main. Go fast, trop de kilomètres, les bons rappeurs sont attendre. Comme les filles honnêtes, yo si t'aimes pas, suce une grosse et avale. J'ai trop de flow pour les battles, j'fais que des batailles navales. J't'attrape par les pattes, Joe qui t'a de l'eau, kick dans le coccyx, explose le pare-brise de la Batmobile. Ta mère écarte, pourtant j'suis pas Moïse. Depuis que j'ai pris des ailes, j'attends qu'on me canonise. Boy, j'prends pas d'élan, tchir. T'es mimicicu, négro, t'as pas les plans, tchir. Suce-moi la sale chien. No homo, no zoho, t'as sucé avec les mains, t'as triché au Zoro. Tu m'appelles en masqué, t'es cramé comme Zoro. J'suis chez Wam sur la com, j'suis chez Wam sur Soho. Gros, si j't'attaque, j'détruis ta carrière. J'ai pris ma part très tard chez ta tassière. J'suis dans cette tasse comme ce qu'il y a dans les cafetières. J'les ai avertis, mais les négros ne veulent pas se taire. Ils veulent pas fermer leur bouche. Fermer leur bouche. Pam 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 pam. Ils veulent pas fermer leur bouche, donc on va fermer leur bouche. Rapam pam 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 pam. Yeah, joke sur la féminine. Aïe. Check. Yeah, LFM 95.5. Yo, Kyoto le 26 novembre. Aïe. Cheer. Ce qu'on appelle un live, c'est Joke en live, on peut l'applaudir. Joke en live dans la fraîche matinale, du bruit. Il y a du monde dans les studios, hein. C'est extrait de son album de l'EP Kyoto qui sortira le 26 novembre sur tous les sites de téléchargement légaux, légal, enfin tout ce qui est légal, voilà. Et ben il sera là, l'ami Joke. 26 bah, novembre. Voilà, le 26 novembre, hein. Donc c'est Triomphe là, extrait de Kyoto. Bah, c'est sympa tout ça. Voilà. Cool. Bravo, bravo, félicitations, je te félicite. Merci. On va saluer également les gens qui sont là, parce que t'es pas tout seul dans le studio, ce qu'on disait. Il y a à côté de toi Oumar. Oumar. Voilà, qui est le boss de GoldenEye. On va parler. Bah tiens, Oumar, je vais te mettre ton mic. Ça va, Oumar, ou quoi là? Ça va ou quoi? Bah ouais, ça va. Tu m'entends? Ouais, bah oui, okay. On t'entend. Mais toute la France t'entend là. Là, c'est ça, c'est que tout le monde t'entend. Là, tout le monde a ce réflexe, tu m'entends et tout. Non, oui, mais on a l'antenne, mec là. Oh, oh, oui, on t'entend. Non, ça va, t'inquiète. On t'entend, mon frère. Parce que moi, je m'entends pas en fait. Ouais, c'est ouais, bah faut monter en fait là. Voilà, ah, voilà, bon. voilà. C'est bon. Et donc, on va parler donc rapidement de ton. Enfin, rapidement, on va parler de ton label, tout simplement, c'est GoldenEye. Ouais, exactement. Donc, ça se passe comment, GoldenEye? C'est quoi? C'est où? C'est qui? C'est toi? C'est moi et plein de gens. Ouais, voilà. Pas tout seul. Je suis le boss, mais on est plein. Et voilà, c'est un label de rap, essentiellement. Et avec des beatmakers, des rappeurs. Voilà, beatmaker, on va rappeler, c'est des. C'est des mecs qui font du son. C'est des compositeurs. Voilà, des compositeurs. Voilà. Il y a également Salomon qui est là, qui fait des. Bah, ouais, qui des filme, vidéos, hein, qui arrête pas ça. De filmer depuis tout à l'heure. Il est où, Salomon? Il est là-bas. Hop, je l'aperçois. Hello. Et puis à côté de moi, là, depuis tout à l'heure, là, celui qui me colle, hein, depuis tout à l'heure, là, Jamel, c'est Jamel. Je crois qu'il est tombé amoureux de moi, Jamel. Mais ouais, t'as raison, ça. Aussi, ouais. Mais ça arrive à il tout aime tout les hommes en plus, Jamel. Ça arrive à tout le monde, hein. Ça arrive à tout le monde, t'inquiète pas. Voilà, Jamel, de GoldenEye, big up à toi, Jamel. Et puis, bien sûr, un Joke qui est en place, là. Joke qui sera du côté de la maroquinerie le 21 décembre. Gros live. Inch'Allah, si c'est pas la fin du monde, hein. Normalement, c'est censé péter juste après le voilà, concert. Voilà, c'est ça. Voilà, alors voilà, on va la déclencher en fait. Hein. C'est le repère en fait. Concert de Joke et après, tout est fini. Exactement. Voilà. On va se quitter. Ouais, donc c'est ça en fait. On va mourir avec toi, quoi. Tu vas nous emmener dans la mort, c'est ça. Voilà. Donc c'est important, non, on blague, mais ce qui est important, c'est de retenir ça le 21 décembre à la maroquinerie du côté de Paname. On peut les choper où, les places? Sur Digitik. Sur Digitik. Ok, on va vous remettre tout ça sur le Facebook. Et oui, c'est la fin de la fraîche matinale, malheureusement. C'est son but. Ouais, mais oui, on est revenu là, Joke. Ah, Joke, okay. Qui parle là, qui fait du off, ouais, là, ouais, qui fait discute, du off. Discute. Ouais, discute à la tchatch, toi, hein. Ouais, tu parles beaucoup, là. Ah ouais, comme en cours, c'est ça, ah ouais, tu parlais beaucoup ça, ouais, bavard.
très bavard. Ah ouais, c'est ce qui revenait souvent sur tes bulletins. Ouais, exactement. Élève charmant mais bavard. Parle voilà, pendant les cours. Exactement, exactement. Et du coup, le jour des DS, bah, tu savais pas de quoi en parler vu que t'avais parlé pendant les cours. Ah, j'irais quand même les DS. Ah ouais, j'arrivais à faire les deux. Ah bah c'est cool en tout cas. Bon bah en tout cas, merci d'être venu dans la fraîche matinale. On rappelle. Hein. Bah, merci à toi de nous avoir accueillis. Ah bah écoute, y a pas de souci, hein, vous revenez quand vous voulez. Enfin non, quand je vous inviterai plutôt. Okay. Voilà, quand j'aurai un créneau. Okay, que c'est vrai que si tu me dis bah ok, je reviens demain. Bah remarque, tu peux revenir demain. Tu peux repasser demain, on allait à Castel et Zifou si tu veux venir. Si tu veux passer, il n'y a pas de souci. Si vous voulez passer, pas, je vais voir si on a le temps. Si vous voulez revenir du côté de Mantes-la-Jolie, il n'y a pas de souci. En tout cas, on va rappeler comme des infos importantes pour toi. Hein,